Allez, c'est mieux. Voilà. Quand de vrai survival horror en Oculus Rift. Il y a déjà des expériences type horreur qui ont été faites en Oculus Rift. Il paraît que c'est assez troublant. J'ai jamais testé encore la réalité virtuelle, le plus strict, etc. J'aimerais bien mettre les mains dessus. MC4, j'ai rien testé. Bon, il paraît que chez la moitié des gens, ça file la gerbe direct. Mais bon. Allez. Il faut que je commence à attaquer tous les wall jump. Là, je suis un peu trop en mode pépère. Oh là là, le jeu est tellement nu en ultra low detail, il manque tellement de détails. Déjà qu'en Verilo ça fait mal au fion, mais là c'est vraiment l'angoisse. Hein. Ah oui, c'est vrai, on voit même plus le vent des ventilateurs. C'est un jeunesse quoi. C'est un jeunesse en haute résolution. Oh, très beau ça. Oh là là, putain, je regarde le chat au moment où j'atterris, je fais même pas mon jump, je suis vraiment un connard. Je le sais en plus que... Oh, la mort anecdotique sur un niveau où ça ne doit jamais arriver, quoi. Ça c'est un peu débile. Tant pis. C'est dommage, hein, parce que tout était bien là. C'est vraiment la mort la plus anecdotique sur un stage où ça ne devait pas arriver. Des moments pour regarder le chat avec ce jeu et celui-là n'en faisait pas partie. .33 pile poil. Okay. Ah, c'est dommage, 4.21 ça reste excellent mais sans la mort c'était divin. Tant pis. Ça aurait dû faire un 4.17.18, ce qui est très cool. Hein. C'est horrible les FPS là. C'est chelou parce que là il est en 60 FPS chez moi. C'est peut-être la capture qui est nulle. Oh mon dieu, c'était tendancieux. Ah d'accord.